On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le Grand National du Trot direction Saint-Malo, les Malouines. Ça nous rappelle un excellent souvenir l'année dernière avec le quintet dans l'ordre en 5 chevaux à presque 30 000 euros ou 28 000 en dur. Certains s'en rappellent très très bien. Alors cette année, ils sont 8 au premier échelon, 5 au 25 mètres et 2 au 50 mètres. Je vous l'annonce, les 2 des 50 mètres, j'ai pas gardé. Un petit lot sympa, je pense pas qu'il va faire des milliards et je vais essayer de faire aussi bien que la saison précédente. C'est parti les amis, les bases de jeu. Alors mon gagnant, le 5, Fair Play d'Urzi, un 5 ans, il part en tête, Rico, Bazir. Je le pensais prêt dans le GNT du Croisé La Roche, alors un tout autre lot parce qu'il y avait Drôle de Jet, Flèche du Yuka, Frisbee Dame, Fric du Chêne. 3 de ces 4 chevaux vont courir le critérium des 5 ans. Hors d'allure ce jour-là pour Fair Play d'Urzi. Jean-Michel a dû trouver les boutons et les déférer des postérieurs. C'est 6 sur 8. C'était un cheval. Si c'est des tracés de vitesse, je veux qu'il aille devant. Les tracés de longue haleine, il est très fort sur un sprint. 500, 600 mètres, très acéré. Je pense qu'il va essayer de prendre le dos de Evola de Muse. Et pour moi, ça doit gagner. Point final. Deuxième base, le 7. Et voilà de Muse qui a fait une belle course dans le GNT de Mort-de-Bretagne. Il est toisé à la fin par Diable de Vauvert. Et voilà de Muse déféré des 4, Montulé. Je pense que ça va faire devant Méchant. Elle ne doit pas bouger du multi. Le challenger, le numéro 2, Écho de Chancely, déféré des 4. Alors c'est un cheval qui fait toutes ses courses quand il est déféré. Il est qu'une seule fois à place de 4e, sinon toujours dans les 3. Deuxième de Valzer di Poggio dans la course, 100% de réussite de déféré des 4. Il suit tous les trains. Il vient de faire une belle place de 4e derrière For You Madrid, Ferrywood, Fame Music, une très très bonne ligne. Son entraîneur qui est dessus, je pense qu'il a largement sa place dans les 5 pour demain. Les outsiders, place de 4e, le 13, Balzac de Liton, que j'ai mis 8e dans le prono du Grand Prix de la ville de Cabourg. Il nous a fait un rush de dingo. Nivard qui le laisse déférer des postérieurs. Il est au 25 mètres. Je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu de train et il me décevrait en n'étant pas dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 8, Derby du Dollar, le plus riche du premier échelon, déféré des 4, Roger, de la cour qui le prend. C'est un cheval qu'on a plus vu sur l'herbe. La dernière fois qu'il a été sur une piste en dur, il fait place de 4e de Delfino, Django, duel du Gers. Autant dire que si on met l'un des 3 chevaux que je vous ai cités en tête du GNT, il aurait une première chance. Sur ce qu'il nous a montré, je pense que c'est un bel outsider. La suite du pronostic, le 12, Quentin de l'Éclair, déféré que des antérieurs. Francane, un cheval qui a fait 5e l'année dernière du GNT, déféré des 4, il est déféré que des antérieurs. Une belle ligne droite dans le Grand Prix de la ville de Cabourg, je garde. Ensuite, le numéro 9, Défi Pierre-Gi, déféré des 4, Léo qui est à la drive. À Brivard, c'est un cheval, c'est un pur droitier, il fait pratiquement toutes ses courses. Maintenant, au 25 mètres, moins de marge. Voilà, je le préfère en tête ou tous au même échelon. Et en ligne de mire, je pense qu'il y a le prix de Beaune sur Vincennes pour la réouverture du meeting d'été dans 2-3 semaines. Mais je pense qu'il se garde largement dans une combinaison. Et je finis avec le numéro 4, Diva du Granit. Le confinement lui a fait le plus grand bien. Elle a trotté une fois sur 4, elle a déféré des 4. Jean-Philippe Monclin qui était à la drive. Elle a des bonnes lignes, c'est une jument dure. Elle part en tête, ça se garde. Si un cheval qui reste au box, le numéro 6, ce bonheur donné de temps en temps nous fait des survaleurs, alors il part en tête, il est déféré des 4, François Le Canu qui est dessus, pourquoi pas dans une longue. Mes impasses, le 10, Bibopofort, ferré au 25 mètres, rayure, et le numéro 3, Adriette du Parc, ferré, ça part en tête, jument de trop monté, sans moi. Voilà, GNT c'est terminé, nous passons au débrief du quintet de Deauville.
Le quintet de Deauville, alors le Marbout qui me saute mon tiercé, dommage, si j'avais su que c'était le dernier tiercé de Badel, ben, je l'aurais mis en 8 chevaux, donc on se contente d'un 2 sur 4 au pronostic. Et c'est parti, le 3 qui s'impose, mon challenger Accelerator qui est bien sûr la note du quintet, il avait fendu facilement Rizzy Shop qui avait répété dans le tiercé de la test, le 11 deuxième, la deuxième base court très bien, Marbout prend une belle 3ème place, dommage, le 8 place de 4ème, le premier outsider Allé Henry qui remontre du mieux, il est à suivre, et le 15 Dassom qui chippe la place à l'As, ma première base qui prend la 5ème place que j'ai dans le pronostic, petit mot sur l'As. Très déçu, je m'attendais à bien mieux que 6ème. Voilà, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, donc, pour hier, en réunion 3, course 7, le numéro 7, Gibus de Navarre, 25 placé, 6ème. Il y a 10 partants dans la course. Je pense que la largeur de la piste de Rouen doit faire 2500 km. Donc il y a largement la place de se mettre sur un premier rideau, voire sur un second. On démarre troisième rideau, donc limite aux 25 mètres, néo vent tout le parcours. Le driver qui nous sort avant la course, aujourd'hui je tape pas loin. Nous avons vu, le cheval finit plus de 100 plus d'images. Nous espérons sur Cabourg en réunion 5, course 3, Eulia Delelle faire sa course avec une bonne drive de l'ami. Et pour mercredi 5 août dans le GNT, en réunion 1, course 1, le 5, Fairplay d'Urzy, 5 gagnants, 30 placés. Pour ceux qui peuvent, on double la mise sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il m'a montré. J'ai tout dit dans l'introduction du pronostic du quintet. Il décevrait si le cheval finit plus loin que promis en fait. Voilà, il doit gagner sur sa classe. Il avait sûrement le prix d'être aussi qui pouvait courir, mais bon, je pense trop dur pour lui. Le lot est bien moins fort que le GNT du Croisé La Roche. Faudra faire attention au cheval de Guarato et voir le cheval de Nivard au 25 mètres. Mais logiquement, ça doit pouvoir triompher pour mercredi. Voilà les amis, nous on se donne rendez-vous demain pour le quintet d'Anguin, toujours les trotteurs. Un excellent visionnage, merci à tous, ciao.